RMC, la haie, l'amour et vous. Bonjour à tous, vous êtes sur RMC, nous sommes ensemble durant deux heures. Donc l'amour. La haie, l'amour et vous. Et c'est reparti. Voilà, c'est, pour pas, cette parti. Deuxième heure. Eh bien, dans, ne rapprochez pas, on va y aller. Moi, je suis Ariane, je suis étudiante en gestion de Brigitte Lahaye. Je fais des chroniques, le film d'Ariane aussi. Avec vous, Brigitte et Jacques Salomé, merci, je me sens encore mieux aujourd'hui. Surtout pour vous parler de choses qui vont vous amuser, là, je D'accord. pense. D'accord. Alors, on va commencer avec ce film d'Ariane par parler de collectionneur farfelu. Hein. Oui, il s'appelle Evard Cunion. C'est un Britannique de 55 ans. Et il préfère la compagnie des poupées gonflables à celle des femmes. Il vit avec 9 poupées en tout. Il se rappelle très bien d'une fois où on avait voulu surprendre les grandes gueules. Et on avait fait venir, j'en rappelle, une stripteaseuse en studio qui, au moment du passage antenne avec les grandes gueules, était... rentrée avec Brigitte et elle a commencé à enlever tout le haut. Elle s'est retrouvée seins nus en train d'asticoter un petit peu Alain Marchal et Olivier Truchot qui était un peu rougissant, mais je crois quelque part assez ravi. Vous êtes émue pour vous appeler Selma. Bah, Loïc, c'est le réalisateur de l'émission, très bon réalisateur, mais qui a cette particularité d'être un peu timide, et donc du coup je prête volontiers ma voix pour faire sa présentation. Loïc, tout de muscles fait, il a des yeux somptueux, Loïc, est-ce que tu peux nous montrer tes yeux quand même? Regarde les yeux de braise de Loïc Peltier. C'est un plaisir d'être à ses côtés quand on finit par la découvrir, qu'on effeuille Brigitte Lahaye de mois à mois, d'année en année. Quand on travaille ensemble, elle s'est toujours trouvée, parce qu'on parle bien sûr de nos petites galères du quotidien, elle s'est toujours trouvée le mot juste, le truc qui va nous orienter. Elle n'est jamais condescendante, mais toujours dans le conseil pratique. Vous avez l'air de dire votre couple va bien. Est-ce qu'au fond, le fait que vous fassiez peu l'amour pose un problème pour l'un ou pour l'autre? L'amour. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a énormément de gens qui écoutent, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner un conseil de la même manière que le ferait un sexothérapeute qui aurait son patient dans son cabinet, parce qu'il y a quand même toujours la notion de tous les autres qui écoutent. Et donc on est obligé un peu de tenir compte de ça. Et puis je crois qu'en fait, s'il fallait donner une réponse unique, c'est souvent une réponse de bon sens. En fait. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que ma réponse, elle est si compliquée que ça. J'ai l'impression que beaucoup de gens auraient pu la donner. Vous avez accouché il y a combien de temps? Oh, ça fait 5 ans. Hein. Ah oui, 5 ans. Donc il est temps de se poser. Voilà, tout à fait. Donc je ne cache pas que je n'ai pas vu en fait un médecin particulièrement pour ça, ou un sexologue, ou même un gynécologue, simplement. S'il va un peu trop loin, ça peut vous faire mal au col de l'utérus. Tout à fait. D'accord. Ce qui voudrait plutôt signifier, à mon avis, qu'au fond, vous n'êtes pas complètement détendu et complètement dans l'action. Et du coup, bah, ça fait un petit peu mal. Je pense que c'est plus ça qu'une séquelle d'accouchement qui recrée une...